En Jordanie, le nouveau gouvernement a prêté serment ce mercredi. Il a été formé la semaine dernière en réponse aux manifestations de l'opposition. Maarouf al-Barit est à la tête de la nouvelle équipe. Cet ancien militaire a déjà été Premier ministre entre 2005 et 2007. Le roi Abdallah a procédé à ce remaniement dans la foulée des mouvements de contestation en Tunisie et en Égypte. L'objectif du régime, c'est d'apaiser les tensions politiques et sociales et de calmer notamment les formations islamistes. Les choses se passent bien avec les islamistes, explique précisément le nouveau Premier ministre. Nous partageons avec eux les mêmes aspirations, même si nous ne sommes pas forcément d'accord sur la méthode. Ce qu'on souhaite, c'est que le dialogue ait lieu autour d'une table et non pas dans la rue. Le roi de Jordanie a reçu ce mercredi la visite du chef de la diplomatie britannique, William Hague, en tournée dans la région. Les deux hommes ont évoqué les manifestations populaires qui secouent plusieurs pays arabes. La Jordanie n'a pas été épargnée avec plusieurs mobilisations le mois dernier. Les manifestants réclament des réformes politiques, notamment une révision de la loi électorale ainsi que de plus grandes libertés publiques. Le nouveau gouvernement a promis d'aller dans ce sens-là. On veut de